Abonnez-vous à la chaîne Les Histoires avec Mackensia. Pour plus de vidéos, merci. Témoignage d'une sœur. Je suis la sœur Anna Tremblay, j'aimerais vous partager mon témoignage. Il y a de cela 2 ans après mes études à Athabasca University du Canada. Je fais la rencontre de Mike Roy, issu d'une famille chrétienne, qui m'a demandé en mariage et Jean y est accepté. Puis nous nous sommes mariés. L'année précédente devant Dieu, et devant les hommes, ce fut pour moi, le plus beau jour de ma vie. J'avoue que je n'étais pas chrétienne, et je ne connaissais rien de cette histoire de Jésus. J'ai accepté Mike Roy comme époux parce que je l'aimais non seulement à cause de sa beauté, mais aussi à cause de son caractère. Mais jour pour jour mon mari ne fait que m'interpeller sur le salut, en m'expliquant les paroles de la grosse Bible reçue en cadeau le jour de notre mariage. Ainsi j'ai accepté de donner ma vie à Jésus, et je répétais la prière après mon mari et Amen. J'ai été baptisé par son père pasteur Daniel Roy et tous furent contents pour moi. 8 mois plus tard, dans l'après-midi, pendant que j'étais couché dans le fauteuil, en regardant une émission télévisée, je me suis endormi et je fis un rêve, dans lequel une femme masquée, du visage m'a frappé le ventre. Et c'était vraiment mortel. Avec frayeur je me suis réveillé, la main sur le ventre. Et voici Mike à ma droite, me demandant qu'est-ce qui s'était passé. Et je lui expliqua, quelques minutes plus tard, je saigne, je suis troublé, Mike aussi eut peur, puis on ira à l'hôpital. Après analyse ce fut un plus petit que début de grossesse détruit, mon utérus a reçu un choc, je ne pourrais jamais faire 3 mois avec une grossesse plus grand que. Quoi, je criais ainsi en pleurant. Voici maintenant 5 ans de mariage, et pas d'enfant et c'était vraiment douloureux, Mike m'y consola et me dit. Dieu est capable de nous donner plus qu'un enfant. Prions seulement God is in control. Depuis ce jour en un an j'ai fait 3 fausses couches, j'étais dégoûté de la vie, mais mon mari me disait Dieu le fera, prions seulement, I love you baby. La semaine qui a suivi son père a décrété un jeûne de 21 jours pour l'église House of Angel, maison des anges. Et je me suis engagé. Sans passer à côté j'ai jamais jeûné. Même pas une journée. Mais je me suis sacrifié pour l'équilibre de mon foyer. Let's go, le jeûne a commencé, c'était difficile mais je tenais le coup. Chaque soir je passais 2 heures de prière avec mon mari. Déjà le 19e jour j'eus un rêve, où je vis un homme brillant, avec de jolies ailes comme celles de la colombe en dessous se trouvaient 2 mains. Chargé de 2 jolis bébés très adorables et me les donna. Et là je me suis réveillée toute heureuse en chantant. Alléluia Amen NNN. 3 semaines ensuite, je ne me sentais pas que des malaises et des vomissements du jamais vécu. Mon mari et moi sommes allés à l'hôpital, croyant que c'était une attaque du diable. Juste après tout test, ce n'était qu'apostrophe une grossesse, merci Jésus. Je le dis toute joyeuse, victoire de Jésus. Point virgule. 3 semaines après échographie je porte des jumeaux. Aujourd'hui je vous parle, je suis la mère de Exaucé et Shekinaël. Et je me souviens que le médecin qui avait dit que je ne pourrais jamais faire 3 mois avec une grossesse est le même qui m'a fait accoucher, et m'a dit ton Dieu est vraiment réel, oui c'est Dieu qui a le dernier mot. Toi qui desires quelque chose, après avoir tapé, AMENN, et partagé mon témoignage, je prie que Dieu te l'accorde avant la fin de cette année plus grand que. Nom de Jésus-Christ. Aimez, partagez, commentez, mentionnez vos amis et surtout abonnez pour recevoir plus de messages de motivation d'édification. Que Dieu vous bénisse.